Et salut tout le monde, c'est Magnifique et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Crossout, donc un nouveau jeu que je vais faire sur ma chaîne. Donc j'ai eu, pour vous dire, c'est un free to play, donc un jeu gratuit. Donc j'ai téléchargé hier, c'était hier. Et donc j'ai quand même joué plusieurs heures, hein. On peut le dire, là je suis niveau 10 quand même. Voilà ma voiture, donc en fait c'est un jeu, donc je vais faire essayer du véhicule. C'est un jeu où on a un véhicule, on va faire des games où il y aura un multi et il faudra défoncer des autres personnes. Donc là j'ai des épines, voilà, qui peuvent faire des dégâts. Voilà, donc là je suis en mode, en fait c'est un petit terrain d'essai pour essayer notre voiture. Donc là on a le double de notre voiture. Pour par exemple la voir si elle résiste beaucoup, ou alors s'entraîner pour voir si nos armes sont puissantes. Donc on va retourner dans le garage. On a le mode de construire où on peut faire un peu tout ce qu'on veut. Donc là je vais vous expliquer un peu les bases du jeu. Donc déjà je vais vous dire, alors au début on commence avec, pour vous dire, non c'est pas ici, on commence avec, on commence avec cette voiture qui est vraiment, c'est une voiture vraiment pourrite, hein. Bon heureusement quand on commence le jeu on est dans des games qui sont avec que des joueurs débutants, quoi. Presque tout le monde a la voiture de base. Ça c'est que des plans de véhicules, donc au cas où si on veut les faire. Par exemple ça je peux essayer ce véhicule. Et je peux même essayer les voitures que j'ai toujours pas débloquées. Donc ça sert, imaginons, j'aime bien cette voiture. Et j'ai en fait tous les matériaux qu'il faut. Du coup, bah je clique ici. Et je peux la construire en fait. Je la construis pas, je la sélectionne. Il faut juste avoir les matériaux qu'il faut et sinon voilà. Donc on a le mode construire qui nous permet de faire n'importe quoi, voilà. Donc je vais vous apprendre les bases. Donc déjà chaque véhicule a une cabine, donc on peut pas en mettre plusieurs. Il y en a une seule. Et il y a plusieurs cabines qui existent. Attendez, il faut juste replacer. Voilà. Donc moi j'ai donc celle-là, je l'ai en double. J'ai celle-là, donc ça c'est celle de base qui est au début. Ça c'est la deuxième que j'ai eue. En fait c'est pas celle de base, mais elle ressemble. C'est pratiquement la même, mais si vous pouvez voir, si vous arrivez à voir, en fait c'est un petit peu différent. Avec la couleur, il y a des petits détails, mais c'est vraiment, c'est presque identique. Ensuite on a une cabine de combi, donc c'est un van, quoi, Volkswagen. Et donc en fait chaque cabine a sa barre d'énergie. Par exemple là il y a 7 points d'énergie, là il y en a 9, là il y en a 8 et là il y en a 8. Donc celui-là c'est le meilleur, voilà. Donc c'est pour ça que j'ai pris. Et aussi il est plus puissant que les autres. En fait non, il est même pas. Enfin en termes de puissance, mais ouais c'est vrai, vitesse max et c'est plus vitesse du moteur, voilà quoi. Il y a mieux, mais bon quand même pour ça vaut quand même. Parce qu'il y a 9 points d'énergie et ça c'est énorme. Enfin, c'est pas énorme, c'est pas incroyable non plus, mais c'est très bien. Les points d'énergie, donc je vais vous montrer. Là, je vais prendre un truc qui prend de l'énergie. Donc, non, en fait, qu'est-ce que je fais? Donc, chaque mitraillette ou canon, les armes, quoi, chaque arme utilise plusieurs points d'énergie. Par exemple, tout cela, c'est les mêmes et ils coûtent 2 points d'énergie.
Il me restait un point d'énergie. Donc qu'est-ce que j'en ai fait? Donc voilà, j'ouvre ça. Donc il y a une double protection. Voilà, j'ouvre tout ça. Et là, donc j'ai un radar qui permet de capter mes ennemis. Voilà, pour qu'ils apparaissent sur la map et sur le jeu directement. Donc là, c'est un deuxième radar qui pour faire plus loin. Et celui-là, il est plus puissant que celui-là, voilà. Et on a ça, c'est pour ça coûte un point d'énergie, c'est pour se remettre droit au cas où si on s'est retourné, je vais vous montrer ça. Et c'est vraiment utile, hein. Et on rebouche, voilà. Donc les épines, ils font des dégâts, ils font 2 barres de dégâts, donc c'est pas mal. Voilà, et ensuite on a plusieurs trucs. Vous allez me dire, c'est un peu moche, hein. Vraiment, dans ce jeu, vous allez voir les véhicules. C'est même ça, c'est beau pour ce jeu. C'est même si c'est moche en vrai, ça quand même, ça va. Ça de loin, ça fait quelque chose. Et en plus, quand j'aurai le même type de roue, voilà, ça sera encore mieux parce que là, on dirait un peu un tracteur en termes de roue, la plus grosse à l'arrière. Et donc j'ai mis un peu des trucs un peu n'importe où, des trucs qui bouchent les vies, tout ça. C'est normal, c'est pour blinder. Par exemple, ce bout de ferraille, il augmente la vie, donc c'est la structure du véhicule de 57. Donc c'est beaucoup. Après on a ça, c'est pour la petite mitraillette en hauteur. Voilà, après il y a plein de trucs. Aussi, en fait, tous les roues ne se tournent pas. Par exemple, on a des roues qui peuvent se. C'est des roues directrices. Hein, parce que souvent, il y en a qui font l'erreur de dire que c'est des roues motrices. Des roues motrices, c'est des roues qui avancent en fait. Donc là, là, c'est 4 roues motrices. Mais il y a 2 roues directrices. Évidemment, ils sont à l'avant. Mais on peut très bien mettre des roues directrices à l'arrière. Donc là, j'ai débloqué 3 types de peinture. Donc voilà, moi je préfère la marron parce que elle est assez discrète et franchement, c'est pas moche parce que les autres couleurs, le rouge, voilà quoi, c'est j'aime pas personnellement. Et le vert, ça passe, mais je préfère quand même tout en marron. Voilà, alors j'ai fait à peu près le tour. Donc là on a les factions, donc en fait on a plusieurs types de personnages, enfin type de, on va appeler ça des gangs. Par exemple là il y a les, bon j'ai même pas envie d'essayer de lire, voilà. Après il y a eux, il y a les nomades, les lunatiques, les ingénieurs. Les ingénieurs c'est ceux qu'on débloque au début. Et en fait chaque fabricant, en fait ça fait des fabrications et c'est des genres de crafts. Il faut des objets pour fabriquer des choses. Donc il y a les lunatiques. Excusez-moi, j'avais un petit problème. Donc là, on a les lunatiques et sinon, là, bon, on a les ingénieurs, évidemment. Donc là, j'ai toujours pas débloqué enfin, si j'ai débloqué les nomades, mais j'ai pas débloqué leur craft. Ah oui, donc il y aura des trucs intéressants. Donc là, on aura une belle cabine. Voilà, donc là, on a le niveau général. Donc là, je suis au niveau 10 général. En fait, le niveau général, c'est le niveau des ingénieurs. Par exemple, au niveau lunatique, là, je suis au niveau 1. Oui, je vais bientôt passer au niveau 2. Ah non, je suis désolée. En fait, là, je suis niveau, j'ai pas de niveau. Et là, c'est ça, je suis au niveau 1. Donc vous pouvez le voir. Donc là, j'ai débloqué ça. Là, j'ai un joueur de marteau-piqueur. Je voudrais bien le prendre, mais par contre, il coûte assez cher, hein. Ça, c'est de la ferraille. Et le cube, par contre, j'en ai eu un, mais sinon, je sais pas trop comment en avoir d'autres. Voilà, donc j'ai fait le tour. Dans les batailles, on a les raids, les bras. Après, on a les brailles. Bon, ça, j'ai toujours pas débloqué.
Donc on a les genres de convois. J'ai pas fait les choses comme ça, les sièges, les convois. Voilà, en fait, ce que je préfère, c'est plutôt ça. Parce qu'on peut choisir notre récompense. Par exemple, ça, c'est pour. En fait, c'est. Il y a écrit obtenez la mitrailleuse, mais il n'y a pas que ça, évidemment. Par exemple, obtenu des roues. C'est. Je faisais beaucoup de batailles dessus parce que j'essaye d'avoir une roue. Une roue comme ça, une roue moyenne, mais qui peut se tourner. Voilà, donc c'est les ST. Je vais quand même vérifier. Ouais. Donc les roues qui peuvent se tourner, c'est les ST, voilà. Donc j'essaye d'avoir des roues comme ça. Voilà, c'est mon objectif. Donc je sais pas si vous entendez des bruits. Donc ok. Ce qui vient dans les yeux, c'est que vraiment les games ils se chargent très vite, hein. Il n'y a pas même pas une seconde d'attente. Enfin si, mais voilà, c'est une expression. Donc là c'est un encounter, je crois qu'on prononce comme ça. En gros on a une base, une zone. Et en fait il faut la capturer ou alors détruire tous les ennemis. Donc par exemple là il y a des ennemis, je sais pas vraiment, je sais pas ce qu'ils font ici. Donc s'ils continuent comme ça ils vont perdre. Parce que la zone elle est là, ben, elle est pas où ils sont. Donc là il y a un petit passage secret. Par contre là faut y aller à fond. Je sais pas si mon véhicule il a assez de puissance. Ok. J'ai réussi mais juste la montée ça serait bien. Attendez, il faut pas que je tombe. Et qu'est-ce que je fais? Ouf. Juste monter, ça serait bien. Juste ça. Ok. Bon, de toute façon là, notre équipe est en train de gagner. C'est pas mauvais. Là, on est en train de capturer la base et les ennemis, ils sont. Je sais pas quand ils vont se réveiller. Wow, il y a un ennemi qui passait juste devant moi. Yes, allez, je suis passé. Et là. Eh, sa voiture, mais vraiment. Ils ont cru que c'est un jeu de construction, mais que un jeu de construction. Par exemple, les jeux de construction, t'as tendance à faire n'importe quoi. Mais là, son véhicule, il est vraiment pas efficace. Donc, j'ai presque 1000 points de vie. Donc, c'est énorme. Voilà, donc victoire. Je peux vous dire, c'est pas souvent facile comme ça. Hein. Donc, voilà mon niveau de. Je sais plus comment c'est. Je sais plus comment ça s'appelle. Donc là, ok, niveau général, je suis niveau 10. J'ai gagné une roue. Oh non, c'est pas une roue ST. Oh, je suis dégoûtée. Ah, ça, c'est dommage. Par contre, les roues comme ça, ils pèsent super lourd. Vraiment super lourd. Donc, mon véhicule, déjà, il va pas super vite. Alors là, il va aller encore moins vite. Heureusement, on a des moteurs qu'on peut rajouter. Mais on peut les récupérer. Enfin, on peut en gagner, mais aussi on peut en crafter. Et en crafter. En fait, j'ai tout ce qu'il faut. Mais sauf, j'ai pas de cuivre. Ça, c'est vraiment. Je suis vraiment dégoûtée parce qu'un moteur, vraiment, ça envoie. Hein, en vitesse. Donc là, c'est un assaut. Donc c'est basique. En gros, ça, on détruit toutes les forces ennemies. Où ça on capture leur base. Donc les petits nombres qui volent, c'est les nombres que je les fais comme dégâts. Par exemple, si je leur fais 32 dégâts, c'est énorme. Parce qu'en plus j'ai des petites mitrailleuses, donc voilà. Okay, il n'y a que des ennemis. Là, ils sont en train de se pousser entre eux. J'ai fait 132 dégâts avec mes. Oula! Non, là c'est mort, il n'y a aucun allié. Ils vont prendre, voilà, je suis en feu. Donc là, on est en train de capturer leur base. C'est pas mauvais. Wow. Ah oui, son véhicule quand même. Voilà. Je vous ai dit, mon véhicule, au moins, il ressemble à quelque chose. Enfin, il ressemble pas à grand-chose, mais face aux autres véhicules, vraiment. C'est mieux que rien. Mais regardez ça, hein, voilà. Et est-ce que c'est un design? Voilà nou la nouvelle Maserati. Voilà.
Non, non, elle est quand même belle, hein. Wow, il a mis les portes d'un van sur allongé. Non mais oh, encore une victoire. Eh, mais vraiment, je peux vous dire, c'est pas toujours que je fais ça, hein. J'ai gagné une roue. Est-ce qu'elle est ST? Oui, elle est ST. Donc en gros, elle peut se tourner direct dans le garage. Je l'échange. Là, ça va pas faire l'air. Ça va pas avoir l'air d'un tracteur. Ça va avoir l'air d'un vrai véhicule blindé. Voilà. Oh oui. Quoi? Attends, non. J'en avais trois, ça veut dire avant j'en avais déjà deux. Wow. En fait, ça, je comprends pas. Ah ouais, peut-être la game d'avant, j'en ai récupéré. Ça c'est vraiment bien. Donc ça, c'est une ST. Oui, c'est bien. Donc je la copie et je la mets de l'autre côté. Et là, c'est un vrai véhicule qui avance pas. Voilà, on va l'essayer. Non mais regardez-moi ça. C'est horrible. Il avance pas, quoi. Bon, heureusement, il fait du dégât. Hein. Mais vraiment, attendez. Parce que le terrain d'essai, il est bien. Parce que regardez là-bas. C'est super. On a un petit truc comme ça. Donc en fait, moi, j'ai fait un truc. Donc en gros, pour moi, si j'arrive pas à monter ça, c'est que je suis en surpoids et que je pèse trop lourd. Mais même si je pèse trop lourd, je vais quand même pas changer mon véhicule parce qu'il est quand même bien. Allez, voyons voir si je suis en surpoids. Ok. Non, non, franchement, il avance. Il arrive. Ouais, il arrive. Il arrive à monter ça. Waouh. Je trouve ce petit terrain d'essai, il est bien. Et je vais vous montrer un truc dans le terrain d'essai, c'est... Il y a pas que ça. Hein. Waouh. Wow, tellement qu'il est lourd, il fait même pas un saut. Et vraiment, je vous jure, j'ai mon premier véhicule qui était beaucoup plus léger, beaucoup plus rapide. Il sautait, mais il touchait même pas la rampe quand il sautait. Donc je vais vous montrer un truc. Là, je vais faire apparaître des ennemis. Des IA. Voilà, ils sont là-bas. Wow, j'arrive à le viser alors qu'il est hyper loin. Donc mon record, c'est en gros mon record, c'est que j'ai tué toutes les IA, donc c'est vraiment énorme. Et même un véhicule, waouh, oh, celui-là j'ai explosé, j'ai vraiment torché. Mais même avec un véhicule beaucoup plus blindé, que j'ai même pas débloqué, donc c'est un plan de véhicule, j'ai fait 3 kills. Mais alors là, j'avais fait 6 kills l'autre fois. Oula, bon là je suis mal parti. Bon voilà, c'était juste pour vous montrer. Donc excusez-moi si encore une fois si vous entendez du bruit. Donc là on a obtenu cabine. Donc là, comme j'ai les roues, qu'est-ce que je vais prendre vraiment? Est-ce qu'on se tenterait bien? Non. De toute façon, là, tout ce qu'il y a comme récompense ici, ça me va servir à rien. En fait, là, vraiment, il y a obtenu câble. Ouais. Je veux juste voir un truc. Ah ouais. Ok, donc en fait aussi, j'ai oublié de vous dire, chaque véhicule a un score. Donc là, c'est la puce. Enfin, là, c'est... Là, je suis à 2718. Et donc, en fait, plus le score est élevé, plus on va. Ça sera difficile parce qu'on va s'affronter avec des joueurs plus. Avec le même score à peu près. Enfin, même des fois, il y en a qui peuvent atteindre les 3200, hein, avec mon score. C'est rare, mais c'est possible. Non, je ne vais pas faire ça. Alors qu'est-ce que je pourrais faire? Je sais pas trop.
Excusez-moi, là j'ai eu un petit problème. Donc, là je voudrais bien faire un truc comme ça. Donc là on peut voir que ça utilise de la de donc il y a coup 10 10 je sais pas 10 en essence, voilà. Et là j'en ai 100 sur 200. Donc je fais un truc. En fait, on peut à chaque game on peut gagner de l'essence. Je vais vous montrer comment. Encore, il y a la grande muraille là qu'il faut enlever. Là, j'ai 40 pièces sur 40 pièces. Du coup, je devrais sacrifier un truc. Alors, qu'est-ce que j'ai pas trop besoin? Les radars, quand même, si, ouais. Je sais pas trop. Ah bah au pire je vais sacrifier un truc comme ça. Hein. C'est vraiment ça, c'est pas important. C'est juste pour le blindage, mais sinon, voilà. Alors donc c'est quoi déjà? Qu'est-ce que je vais faire des. Oui, voilà. Des conteneurs. Même vous savez quoi, j'ai enlevé les deux, comme ça je pourrais mettre deux conteneurs. Voilà. Je vais les mettre à la place de. Ouais, ah non, parce que c'est plus épais. Bah comment je vais faire? Est-ce que je peux les mettre. Je vais le mettre en allongé. Est-ce que je peux les mettre quelque part ici? Et faut savoir que c'est. Ouais, voilà, je peux mettre ici. Faut faire attention parce que quand ils détruisent un réservoir, bah ça inflige bah même plus, hein, beaucoup plus. Ça inflige 900 de dégâts et moi j'ai 970, un truc comme ça, de vie. Du coup, si je me. Ça one shot presque quoi. Donc faut faire attention. Et là on est parti. En plus j'ai 200 réserves de carburant. Donc là, vraiment là je suis bon. Donc. Est-ce que. Comment je peux les utiliser? Faut faire rafraîchir? Non. Je sais pas. Bon, c'est pas grave. De toute façon, là, j'ai assez d'essence, donc ça va. Alors, oui, c'est vrai. Bataille. Et là, on a le choix entre défense et défense. Mais. Ah oui, en fait la différence c'est que là l'ennemi c'est les ingénieurs et là l'ennemi c'est les scavengers. Bon, on va prendre les ingénieurs. Après là, ah si, j'ai débloqué ça. Après on fera ça. Allez, on va commencer par ça. Après on va faire le bras ou je sais pas comment ça se prononce. Allez, c'est parti. Donc là on est que 4, je sais pas si c'est normal. Non, normalement on doit être plus, non? Ok. Ah oui, j'ai jamais fait ce type de truc. Non, je crois il y a une zone, il faut la protéger. Oula! Et heureusement, voilà, j'ai le truc pour me retourner. C'est vraiment utile ça. Allez, monte. Ah oui, donc en gros, là, ils sont en train d'attaquer. Ok, je me suis pas retourné, c'est bien. De toute façon, moi, mon véhicule, il est blindé, du coup, ça va aller. Donc, ensuite, ok, je dois protéger ça. Je crois qu'il faut tous les éliminer, donc ça va. Ouais, ça va, je crois que ça va pas être difficile. Oula, ça bug. Ah ouais, quand même. Donc là, il y a. Ah, oh, ça va, ça a de la vie quand même. Ça va. Franchement. Là, je joue avec des. Des vrais joueurs. Qu'est-ce qu'il fait? Oh non. Mais dis pas qu'il y en a un qui est en train de détruire la tour. Alors que c'est un allié. Bah si, il fait ça en fait.
Il est en train de détruire la tour. Attends, est-ce que là ça met des dégâts? Ah ouais. En gros, nous-mêmes on peut détruire la tour. Donc là, lui, je veux vraiment. Ah, il n'y a pas que ici à protéger. Ah, ah ok. Maintenant il faut protéger là. Bon, toi, je vais t'aider. Allez. Oh mince. Allez, voilà. Ok, bon, et vraiment leur véhicule, c'est niveau easy. Bon, en même temps, ils spawnent, ils vont spawner, ils spawnent pas à l'infini, mais chaque tour à protéger, en fait, il y en aura un tel, enfin, il y a un tel nombre qui va spawner, qui vont spawner. Voilà, ils arrivent ici. Franchement, pour l'instant, ça va. Allez, j'ai défonce. Eh, je peux vous dire, hein, le pire, c'est dans ce genre de jeu-là, c'est en fait dans quand tu fais des games, le pire, c'est de perdre ses roues, en fait. Encore une roue, encore tu peux encore jouer, mais deux roues là ça commence à être critique. Et trois roues là t'es fini. Bon après quand t'as perdu toutes tes roues là ça sert plus à rien. Hein. T'as perdu. Après tu fais tu peux aussi faire ta petite tour en mode qui bouge plus et tu fais que de l'attaque. Ou là par contre là ils ont spawné là-bas, ils en profitent. Hein. Et regardez comment ils grattent. Ils ont spawné. Wouah, eh, vraiment ils ont gratté là. Allez, on arrive. Ah ouais, non. Ils sont pas seuls. Hein. Celui-là qui est en train d'attaquer la tour. C'est là, c'est un allié ou... Ouais, c'est un allié, ouais. En fait, un... Ouais. Un IA peut pas être avec de la peinture. Enfin, il peut, mais dans ce genre de combat, non. Ils sont toujours en mode facile. Par contre, la tour là, elle a combien? Ah oui. Toi, voilà. Oh, on a fait sandwich. Et il a presque. Mais en fait, il a le même véhicule, quasiment. Oh, le recopieur! Le recopieur! Ah ouais, non. En fait, là, ça rigole plus. C'est pas aussi facile que je pensais. Hein. Ah ouais. On va perdre. Allez, toi je vais te défoncer. Voilà. Mais on a perdu. Ouais. Non, c'est mort. Avec tous les joueurs qui restent là. Celui-là, je vais essayer de le... Ok. Oui, il reste zéro. Voilà, on a perdu. On regarde l'effondrement de la tour. En fait, c'est... J'ai cru que ça allait être facile, mais non, pas du tout. C'est chaud. Vraiment. Oh! Ah, c'est comme ça qu'on gagne du cuivre. J'ai compris. Ça, c'est vraiment bien. On va se faire... le truc, là. La course qu'on avait vue. Donc là... mince. Les missions là on gagne ok on gagne ça. Ah ok, là en fait on gagne du cuivre et des ok, et là on gagne des boîtes. En fait les boîtes, non ouais, c'est des caisses, on les ouvre et on, c'est comme un genre de, je sais pas, on les ouvre et après on a un item à aléatoire. Donc là on gagne ça. Ok, je vais faire. Je préfère les raids parce que on gagne du cuivre. On va quand même tester tout. Hein. Allez, c'est dans. Ok, ça commence. Voilà, donc j'ai toujours pas testé ce mode de jeu. Là, on est. Quoi? Il y a que moi? Tu as eu un bug là? En fait, non, il n'y a pas que moi.
Tout le monde a des boosts, j'ai remarqué, c'est bizarre. Ah, ok, c'est... Ah, c'est comme ça les courses. Ah, fallait me le dire. Attends, avec mon véhicule, pfff. Ah, ok. Bon, bah, vous étonnez pas si je serai dernier. Hein. What? Le mec, il galère. Eh, mais vraiment, il... S'ils me voient, là, ils vont se dire... What? Mais lui, il a un véhicule, mais... C'est le cimetière. Waouh. Eh, mais regardez-lui comment il fonce. Ah, mais sinon, c'est pas mal, hein. Ouais, bon, Non, mais vraiment, j'ai le véhicule le plus pourri du monde. Et en fait, il fallait que je m'y attende, hein. Une course, ça peut pas être une autre chose, hein. Ah, non, plus de batterie. Non, t'es pas sérieux. Waouh. Bon, bah... C'est en pleine vidéo quoi. Le truc incroyable, je joue avec mon autre manette. Allez, allume-toi. Bon bah j'ai perdu hein. Je sais pas si on peut être ton classé. Waouh, quoi, j'étais pas. Ah oui, en fait c'est là ils sont en train de faire quoi. Il y a plusieurs tours, mais vous savez quoi, retourner au garage direct. Une directe. Non mais vraiment, je ferai une autre fois ça quand j'aurai un meilleur véhicule, mais sinon non. Alors donc, je vais faire une dernière game. Donc je vais faire ça. Je vais commencer la game. Donc ouais, c'est quand même chaud hein. Les défenses. Après, je sais pas si... En plus, là, il y a difficulté facile. Après, je sais pas si c'est mon équipe qui était nulle ou alors c'est vraiment difficile, mais... Voilà. Par contre, là, ça fait quand même 20 secondes que j'attends. Ah, c'est bon. Allez, on commence. Donc, on est toujours 4. Ouais, c'était pas un bug. On est bien 4. On est intact, toujours les ingénieurs. Donc la première tour, elle est vraiment facile. Mais en fait, c'est au bout de la troisième. Après, je sais pas si c'était peut-être la map. Hein. On sait pas. En fait, là, je crois qu'on est sur la même map. Ouais, c'est la même map. Mais c'est un endroit différent. Ok, il y a les premiers ennemis qui arrivent. Bon, celui-là, voilà. Est-ce que si je tire, est-ce que ça... Non, ah oui, non. En fait, on peut pas détruire la tour nous-mêmes. Waouh, mais vraiment, mince. J'ai jamais vu ça, quoi. Ils sont défoncés, mais c'est incroyable. Ça, c'est quoi? Ah oui, ça c'est bien un ennemi. Avant je croyais que c'était pas un ennemi. Ah, celui-là il fait mal hein, avec son petit marteau piqueur là au nez sur l'avant. Bon, celui-là il est mort hein. Voilà. Ok, donc là on passe à la deuxième tourelle. Ils se sont dit bon, ils sont trop forts, allez on passe à la deuxième tourelle. Ok, donc la nouvelle vague elle arrive dans... Elle arrive, voilà. Ok, ouais voilà. Là elle arrive. Vraiment je trouve les IA dans ce jeu impeccable, vraiment. Mais regardez, si je vous dis que ça c'est un IA, vous allez pas le croire. Bon, vraiment, enfin, je veux dire, un joueur aurait pas fait ça, hein, mais quand même, pour un IA, c'est comme bien. Vraiment, dans les games, en fait, on a 10%, non, pas 10% quand même, mais 30% des joueurs, c'est des IA, et dans les games en multi, et vraiment,
tu en fait t'arrives pas à voir la différence, vraiment. Il n'y a pas de différence entre un vrai joueur et un joueur IA. Bon, après, évidemment, il y a quand même certaines choses. Par exemple, je crois que c'est pas possible quand on est retourné, par exemple, il y a un vrai joueur qui arrive, il peut nous retourner, mais je crois en IA, je sais pas si c'est possible qu'il fasse ça. En tout cas, s'il peut, ça serait vraiment incroyable. Donc, vite, 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 nouvelle vague dans. Oui, bah. Oui, bah, c'est toi qui fonce sur moi. Ouais, on fait la Marseillaise des klaxons. Ouais. Bref, là on arrive. Donc déjà, moi je suis en retard. Nous, on est en retard parce que moi je suis pas seule. On est les deux petits véhicules qui avancent pas en fait. Waouh, ah oui. Là, ils sont nombreux. Waouh. Ah bah voilà. Là, vous mourrez tous. Mais en fait, le problème sur le. Ah, ça, j'aime. Là, on est à la troisième tourelle. Là, on commence à gérer. Ça veut dire, normalement, peut-être c'était notre équipe avant. Elle était nulle. Hey, j'ai pris zéro dégâts. J'ai pris à peu près 52 dégâts, mais c'est vraiment rien. Waouh. Oh non, il y a le mec là. Vraiment celui-là. Faut le surveiller. Il est en train de fumer, heureusement. Et il faut quoi? Okay, ça c'est un chasseur, donc ça c'est un. Je sais pas ce que c'est. Et vraiment, je découvre avec vous hein, ce type de jeu. Je crois en fait, les chasseurs, ils s'en fichent de la tour, mais ils veulent nous chasser. En fait, c'est logique, quoi. Lui, il a un véhicule tout pourri, il est en feu là. Voilà. Il va bientôt se faire démonter. Waouh, allez, je l'ai détruit. Ok. Ah oui. Là, notre tour, elle est en train de. Ok, bon. Elle est en train de fumer. Lui, voilà quoi. C'était inespéré pour lui. Juste me débloquer, ça serait bien. Non, si j'avance, qu'est-ce que je fais? Sinon, là, je crois que je suis plus. Ouais, on est bien. On attend l'autre vague. Et on a gagné quoi? Ah ouais, ah non, en fait il y a que trois tourelles. Oh, en fait ça va, franchement ça va. Allez, ensuite on va arrêter là. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, de nouveaux jeux. Donc dites-moi en commentaire si vous aimiez ce petit de jeu. Vous pouvez aussi regarder des autres vidéos aussi pour peut-être un peu mieux comprendre le jeu. Après, il y a des autres choses que j'ai pas dit. Vous pouvez découvrir. Après, c'est un free-to-play. Donc, si vous avez une PS4, n'hésitez pas à le télécharger. Vraiment, c'est gratuit. Donc, voilà. Et peut-être jouer avec moi. Vous aussi, vous pouvez m'ajouter en ami. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et moi je vous dis à très bientôt. Allez, ciao!